Absolument. Alors ça fait 8 mois maintenant que je suis arrivé sur ce magasin d'Orléans, dont j'ai repris la gérance. Auparavant, j'ai travaillé 14 ans pour une ancienne concurrente. C'est-à-dire qui s'appelle Metro. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter là dans ce nouveau magasin et votre nouveau concept? Alors en fait, moi j'ai décidé de prendre ces boutiques en tant qu'indépendant pour justement promouvoir les produits du Loiret auprès de la restauration, permettre à nos restaurateurs de raconter une histoire à travers de leur carte, à l'image des fruits et légumes qu'on a derrière nous qui viennent de la ville de Saint-Privé Saint-Léonard. Donc ici on a de la garriguette de Saint-Privé et puis du concombre de Saint-Privé, qui matérialise vraiment cette notion de circuit court, d'empreinte carbone zéro, mais aussi d'histoire à raconter puisqu'on est dans une région de production. Il faut avant tout, c'est vendre une histoire. Exactement, on est d'accord. Nos producteurs locaux, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller chez vous? Bah aujourd'hui, moi je peux vous proposer des produits de, par exemple de chez Benoît Foulon, hein, qui est producteur à 6 km d'ici. J'ai vu que vous aviez un nouveau poulet. Aussi, poulet du Gâtinais. Je me suis dit, est-ce qu'on va pas venir comme le poulet ce soir en arrivant chez vous? Non, ça risque pas, non, ça va. Il y a des blancs et des poulets jaunes aussi. Donc, d'accord. Quand il arrive sur la belle rouge. Ça, c'est aussi intéressant. Et dans les nouveaux produits, dans ce que vous pouvez nous proposer de neuf, de nouvelles visions. Alors dans les 2500 références qu'on a rentrées dans le cadre de cette transformation de magasin, on peut vous proposer les cafés et l'été Jeanne d'Arc, les distributeurs exclusifs. Voilà, donc, mais nous sommes les seuls distributeurs hormis les cafés Jeanne d'Arc aujourd'hui à proposer ces produits. Ce qui permet à l'ensemble des restaurateurs d'intégrer dans leur carte leurs produits sans rajouter un intermédiaire supplémentaire finalement à leur mode de fonctionnement. C'est toute la gamme Martin Pourret, RHF et GMS qui permet aussi d'étendre, de raconter une histoire, puisque quand on fait un plat avec une moutarde d'Orléans, ça prend tout son sens. D'accord, donc moutarde, fruits et légumes, café. Et poulet, Port Val-de-Loire, donc issu de la coopérative de Fleury-les-Aubry qui s'appelle Tranidal. C'est important, la poire d'olive aussi. Et la poire de poulet, absolument, puisqu'on travaille avec commis fruits, donc on fabrique les alcools d'olivet, dont la poire prisonnière, et aussi les jus de fruits, puisqu'on a des jus de fruits, poire Williams de l'Orléanais, pommes de l'Orléanais, pommes cerises de l'Orléanais. On a aussi un partenariat avec Duralex, qui est à 3 minutes d'ici, qui est une entreprise emblématique de la région. Et aujourd'hui aussi avec Panibois, qui est à Marcy-en-Villette, qui propose des moules de cuisson en bois, adaptés au four et au service. Donc vous allez faire tout pour votre région. Absolument, votre région, exactement. Et sinon vous êtes musicien aussi dans l'âme. Exactement, ouais. J'ai une deuxième vie, donc voilà, je suis batteur de formation et guitariste aussi également. Ça va y aller. Et voilà. Et pour le coup, je ne suis pas local, puisque je joue avec un groupe qui est en Seine-et-Marne. On a la chance de se représenter à l'extérieur assez régulièrement. Et nous serons présents en Place de Loire le 27 avril, puisqu'on monte un événement avec l'association des chiens guides d'Orléans, qui va faire une animation toute la journée Place de Loire. Et on aura l'honneur effectivement de conclure cette journée par un petit concert. C'est super, vous avez plein d'idées, de novatrices, on va dire, à nous apporter. Exactement. Bon, super. Merci pour vos encouragements. Je vous en prie. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir.